éviter la faute, rester devant, rester devant lui, passer devant lui. Pour moi, pour toi, tu vas rentrer sans faire faute. Surtout si c'est le milieu, si c'est Karim, qui sont nous. Les défenseurs aussi, Nana, sa façon, ils ont le bon parfait, hein, je ne sais pas si on va faire la tête, c'est nous, c'est mon cas. On n'a pas besoin que le premier vienne nous motiver, les gars. Merci pour toi, Nana, afin de la croire pas d'aller. La promenade, oui, vous perdez, 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 vous perd
Vous avez tantôt dit que l'équipe de Bassois était conquérante. Nous, on n'a pas été conquérants. Même en première mi-temps, la seule occasion qu'ils ont eue, ils ont égalisé. On marque, on encaisse des buts sur des erreurs des débutants. Voilà. Donc, on paye cash. Vous devez dire pour la suite de là. Ouais, mais si ça continue comme ça, c'est inquiétant. Donc, je pense qu'on va continuer le travail pour corriger nos lacunes et avancer. Trois victoires d'affilée, ça fait du bien. On sentait qu'on pouvait le réaliser, on pouvait le faire. Ça n'a pas été facile non plus. Hein, 2-1-0. Aujourd'hui, 2-1, quand même un match difficile. Ça, c'est une belle équipe du Stella qui nous a poussé quand même à bout. Mais l'essentiel est là. C'est 9 points en 3 matchs, c'est bien. Il y a longtemps qu'on n'avait pas réalisé ça. On avait bien commencé. On a eu un creux au milieu de cette saison-là. Et puis là, on se reprend bien avant la fin. Maintenant, il faut terminer en beauté la première partie à Boaké ce week-end-là. On a besoin de récupération, on a besoin de souffler, il y a un long voyage, c'est un gros match qui nous attend aussi. Et j'espère que les garçons vont pouvoir bien récupérer pour réaliser le coup parfait. 4 matchs, 4 victoires, ce sera très bien pour nous. Les gens en déplacement, vous tenez 3 points. Ouais, c'est une bonne chose. Comment vous expliquez cela? Je rappelle que la société Rouge l'Armée qui était donc classée 7e va certainement remonter la pente. Puisque le club qui était classé 11e certainement va redescendre à la profondeur peut-être. Mais comment vous expliquez? Vous êtes une série de victoires, 3 matchs à fil, 3 victoires. Donc, c'est un moment où on n'est pas très mal joué. Sur 4 matchs, on avait fait 3 défaites. Il a senti une mise en cause au milieu de ses athlètes. Moi, je pense que c'est ce travail-là qui est en train de faire sa fille. Maintenant, vous êtes un président heureux, bientôt le mercato, dans quel comportement vous voulez travailler? Bon, moi je suis le président, les entraîneurs vont comme on appelle les maîtres, les grands collègues, etc. Est-ce que les consignes ne sont pas respectées? En fonction, justement, je vous dis, des compatibles à pouvoir renforcer. À l'heure du bilan, bientôt un bilan passé, vous voulez satisfait? Bon, alors ici on veut se limiter seulement au nombre de points. On peut être content. Mais quand je pense que sur certains matchs, il y a eu beaucoup quand même de laisse à le dire. Donc je ne peux pas être vraiment trop satisfait. Parce que je pense que vous êtes dans la meilleure position vu notre début de saison. Est-ce que vous continuez à rêver? Non, moi je ne rêve pas, je suis réaliste, je suis dans le football depuis longtemps, je ne rêve pas. Je sais quand mon équipe est mauvaise par rapport à une autre, et puis quand j'ai des bons joueurs ou pas, je ne rêve pas. Donc je suis assez réaliste, mais je pense quand même que les autres joueurs, non. Les autres équipes ne prévoient pas de potentiel très supérieur à notre équipe. Je pense que des fois, il a manqué de poche, on a très mal vu certaines situations de jeu, qu'il a fallu des défaites, tout le monde, pour atteindre la victoire. Merci de visiter la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.